Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. T'as vu, le temps est magnifique, hein, on est typiquement hivernal. Hein. Avant que la vidéo commence, j'ai vu qu'il y en avait plein d'entre vous qui regardaient les vidéos sans être abonnés. Donc vous vous abonnez parce que sinon tu vois, et bah ouais, tu vois comment ça va te faire mal. Hein. Bon, la vidéo commence, c'est parti. Et puis petit coup de pouette-pouette et puis on y est. Hein. Puis voilà, tout va bien. J'ai pas compris ce qu'il a dit, mais merci à toi. J'ai entendu boîte bon d'auto. Voilà ce que j'ai entendu, mais il y avait les yeux qui souriaient, il y avait l'air d'avoir du plaisir, donc que de la good vibe un peu comme on peut dire. Hein. Regarde-moi, je suis un gros con. Bah, bref, voilà. Bah merci à toi. Alléluia, attention. C'est pas grave. Oh, le petit signe de la main tout gentil, tout mignon. Genre, excusez-moi d'avoir fait la frayeur, monsieur. Excellent, j'adore. Je suis sûr, en mettant une grosse reprise de volée, je vais mettre ça dans la moto. Je suis trop fort. Reprise de volée devant le stade de l'air. Oh, chi, je vais dans l'eau. J'ai trop envie. Je suis un gamin. Je suis trempé du coup. Je suis con. J'adore. Comment je suis trempé, sa mère. J'adore. J'adore les aléas du direct. La bonne petite claque aux fesses, là. J'espère que la caméra, elle... Parce qu'en fait, c'est mon objectif, il est cassé. Je te montre, à la regarde. Tu vois, l'objectif, il est pété. Donc j'espère que ça filme bien. J'espère qu'on aura vu, surtout à la caméra, que j'aurais pas dit ça pour rien. Parce que du coup, si... Hop, parce que sinon, j'ai l'air d'un con. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Faut que j'arrête de conduire alors, parce que je viens de boire un apéro, mon pote. J'ai bu au moins 3 verres de rhum et j'ai bu au moins 2 verres de blanc. Tu vois, c'est pour ça que j'arrive pas trop à tenir la route droite sur le périphérique. Alors là, le plus rond-point, le plus glissant de Caen. Partant de pluie, 6 mers, meilleure idée de ma vie. À peine j'ai posé l'ongle par terre, ça glisse de ouf. Mais parce que je roule en sandales là, pour ceux qui veulent savoir. C'est mon kiff en hiver, me sentir vivant avec le pied froid. Alors attention parce que je vais à droite, hein. Ouais, je vais à droite, ouais. Voilà, nickel. Hein ? Je vais essayer de pas me renverser. Merci. Tous les cyclistes ne sont pas des mauvais bougres, hein. Bonjour à moi, dans la glace. Coucou, hé, hey, Titi, c'est moi, c'est moi. Attention, le gros frein d'urgence. Non, c'est bon, elle démarre. Oh, le contraste est énorme. Devant, c'est noir, derrière, c'est bleu. On s'en fout, en fait. Quelle est l'utilité de dire ça à une caméra? Regarde la caméra, il est noir, derrière t'es bleu, merde, oh lol, comment on s'en bat les couilles? Oh, t'as te calmer avec tes trucs inutiles dans notre bon Dieu là. Disons, le point de patinage, pas du tout géré de la part du motovlogueur là. Hein. Oh là là, pff. Mais vas-y, ça me saoule. Non, en fait, j'aime bien. Non, j'aime bien. Je vous l'avoue, là, je vous le dis droit dans les yeux. J'aime bien. Oh, vas-y, là c'est trop par contre. Dans la foulée de l'autre, je le prends, mais de toute façon, le principal c'est que j'aime bien. Du coup, je l'ai déréglé, super. Ah, nous voilà dans ma rue. Je suis propriétaire de cette rue sur Google Maps. Personne ne peut me l'enlever. Sur 200 mètres, c'est moi qui suis la voiture, c'est moi le proprio. À l'autre là, il est bouche bée devant le monstre. Merci. Tu vois, je l'avais dit, il a fait un gros pouce. C'est trop vieux ça. Ah non, c'est pas vieux. Quelle année? 2019. Attention sur la route, c'est mouillé, ça glisse. Ouais, ça glisse, ouais. Merci. Salut. Je ne vois plus rien. Je roule à l'aveugle. Je me repère uniquement grâce au bruit de la moto. Je m'écolocalise, comme on dit dans le milieu. C'est mon deuxième talent après avoir été nyctalope. Je suis écolocalisateur. Ah oui, ça n'a pas pris le soleil de la journée, du coup c'est encore gelé ça. Ah, j'adore. J'adore prendre des risques. C'est ce qui me fait vibrer, moi. Savoir qu'à n'importe quel instant, je peux crever. C'est faux, évidemment, c'est faux. C'est faux, arrêtez de croire. Regardez, Rally Stunter est présent encore. Et je m'arrêterai pas, hein. Non, je vais me foncer dans la voiture en face. Qu'est-ce qu'il y a? Salut. Il me dit bonjour. Je crois qu'il m'ont... Salut. Je crois qu'ils m'ont reconnu à l'arrière de la voiture. Ils sont tous à faire... Ouais, coucou, motard. Je sais pas ce qu'il... Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas ce qu'ils ont. Ils sont contents. Ça va?
Ça va? Ça va? Ok. Il a cru que je disais bonjour, mais non. Je leur dis si ça allait. Parce qu'arrêter comme ça, c'est chelou quand même. Mais donc du coup, ça allait bien, ça allait bien. Il m'a fait ouais, ça va. Vas-y, bah mon clignotant arrière il marche plus. Ok, officiellement mon clignotant arrière ne marche plus à l'instant. Mes clignotants ne marchent plus. Comme ça au moins c'est clair. Comme ça au moins c'est réglé. Je viens de me rendre compte à l'instant, il marchait il y a 5 minutes. Hein. Ça se trouve, je vais l'éteindre et la rallumer, ça va remarcher. Bah si, il marche. Bah qu'est-ce qu'ils me font, ces cons? Ok, bah voilà, c'est ce que je disais. Il suffit de rallumer la moto, ça va remarcher. Bienvenue chez MT. Là ça marche. Là ça marche. Bah alors qu'est-ce que tu me fais toi? Par contre, tu vas te calmer, tu vas marcher. Et là, bim dans la benne. Et bim dans la benne. T'imagines? Ça fait passer par au-dessus, je me retrouve à plat ventre dessus, et il m'emmène. Oh, Seigneur Dieu, aidez-moi! Je m'endors sur ma selle, regarde. J'adore faire ça. Un peu, c'est un peu le Drally Circus, on peut dire. Hein. Il y a rigolé dans la voiture, lui. Déclenchons l'ABS à l'arrière. Tiens, regarde, ça va être marrant, on va déclencher l'ABS. MDR, qu'est-ce qu'on se marre avec l'ABS? C'est nul. Putain, j'ai des courbatures aux fessiers et je suis sur une route ultra déglinguée. Chaque secousse me défonce le... T'as compris? Me défonce le boule, pour être non vulgaire et non binaire. La moto, elle est toute, là, toute propre de base, là, et je me prends l'inverse du siècle. Je suis sûr, elle est dégueulasse. Oh, Seigneur, j'ose même pas voir. Regarde la flotte qui est... Oh, putain. Oh, elle est niquée. Elle est niquée. J'ai à peine de la laver, elle est niquée. Ouais. C'est vrai? Ah merci. Salut. J'ai envie de dire vivement l'été, mais si c'est pourquoi qu'on soit confiné comme là. Aucune perspective d'avenir avec ce Covid, aucune. Ça me saoule. On est marre. Allez, on part sur un interfil de qualité. Attention, le joueur français qui s'incruste. La première voiture avec le camion à droite qui passe. Le rétro est évité. La Clio, ensuite une autre Clio, ensuite une autre Clio. Ensuite la Porsche Carrera 4S, ensuite une autre Clio. Putain, il y a que des Clio aujourd'hui, c'est incroyable. Attention, il passe. Incroyable. Ensuite une Mazda. La Mazda qui va être doublée par le joueur français. Et il se met derrière le Range Rover tranquillement. Quel match. Quel match de la part de cet incroyable joueur. Je ne sens plus mes doigts, ia ia oh, oh. Je ne sens plus mes doigts, ia ia oh, pum pum. Je suis taré, je suis complètement taré. Peut-être qu'il va falloir que je ferme la visière. Ah bah mais non, je vois rien. Je me dis, je vais fermer la visière, je commence à avoir froid au nez. Mais regarde, elle est ourdie de merde la visière. Ourdie de merde, putain. Oh ouais, non, là je vais prendre trop cher si je reste sur la route. La petite moto va rester dehors, hein. Tu vas te faire tremper, hein, comme une grande. Et moi je vais aller mettre à l'abri, hein. La balade urbaine, comme on dit. Vas-y, fonce. Allez-y, bah foncez tous, allez-y. Voilà, vous occupez pas de moi, je n'existe pas. Je ne fais pas de bruit. Je rigole, c'est une blague. Eh, croyez pas, je gueule, là, c'est bon. Là, je vous vois tous arriver. Hé, hey, Ali, pourtant tu es quelqu'un qui... Salut. Il m'a fait un vroom, je suis là. Et je lui ai fait un vroom, bonjour. Ouais, nous c'est comme ça qu'on se parle en motard, on se parle avec le moteur. Ouais, j'étais sérieux, putain. Ah ouais, bah ouais monsieur, faut regarder, putain t'as un stop gros. Il pleut, moi je freine moins fort que d'habitude. Faut regarder mon grand. En plus il a regardé, c'est ça le pire quoi. C'est pas comme si j'avais pas des phares plein LED. Moi je vais lui dire que c'est pas grave, vas-y c'est bon. Il va ouvrir sa fenêtre, je vais dire tranquille frère, c'était pas grave. Pardon? Pas grave, c'est pas grave, y'a pas de mal. Heureusement. Mais je préfère m'excuser. Non mais y'en a d'autres qui seraient venus en vous gueulant dessus, mais bon, ça sert à rien. Ça sert à rien, du contexte, t'as pu mettre. Exactement. Petite explication simple, ça vaut, c'est mieux qu'à... Je suis tout à fait d'accord. Sans rancune et bonne journée. Il a raison, une petite explication simple suffit pour comprendre, pas besoin de se gueuler dessus et de faire voilà. Après bon, j'avais anticipé aussi, tu vois, à chaque fois qu'il y a une intersection, et vous devez tous faire comme moi, c'est anticiper. Ça pour ça, je pense que je suis bien placé pour le dire et que c'est un conseil que je peux vous donner, c'est anticiper chaque intersection, parce qu'il y a toujours un danger, même si les gens vous ont vu, la preuve. Bon, chers motards et motardes, et peut-être futurs motards, et me dire l'idée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on la termine comme on l'a commencé, hein, c'est-à-dire sous la flotte. Je vous laisse tout de suite, sans plus attendre, pour que vous puissiez faquer à vos occupations sur le YouTube Game. J'essuie la caméra pour la toute fin, c'est-à-dire, ride safe les gars, c'était Drally, crevé, à tous les motards de nulle part d'ici et d'ailleurs. Allez, hop, ça c'est fait, une outro, hop.
Par contre, je suis trempé. Ça, c'est moins chiant. Moins bien, moins bien. Moins chiant, c'est... voudrait dire que... oui.